Ce lait est une catastrophe absolue. Parce que c'est pratiquement que de l'eau. Si les dauphins nagent des kilomètres, pourquoi pas nous? On ne pourra plus jamais se mettre du lait hydratant. On doit pouvoir nager jusqu'aux îles Fidji. C'est complètement dingue. Sais-tu que notre peau sera sèche et toute ridée? On sera des vieilles avant même d'avoir 21 ans. Je ne suis pas allée à l'entraînement. Ça ne m'est jamais arrivé en 6 ans. Vous voyez? C'est trop moche, cette histoire. Il faut qu'on le dise à quelqu'un, à nos parents, ou à un médecin, ou à la police. Pour finir en camisole de force, gentille sirène, la peau bien hydratée. Oublie. Ricky a raison, Cléo. Il faut le dire à personne. Même pas à maman? Non, même pas aux parents. Moi, je dis tout à maman. Eh bien, cette fois, tu essaies de t'abstenir. C'est trop dangereux. Comment veux-tu que les gens comprennent ça? On nous bouclera. Pourquoi veux-tu qu'on nous enferme? Parce qu'on est différente. Parce qu'on fait des choses que les autres filles ne font pas. Parce qu'ils auront peur de nous. D'accord. Je veux bien le dire à personne. Sauf à Lewis. Non, Cléo. Ni à Lewis, ni à qui que ce soit. Ok, ok. Comptez sur moi. Je suis super bonne pour garder les secrets, vous savez. J'organise une petite fête, tout le monde doit venir. C'est en l'honneur de notre véritable dieu du surf local, notre super athlète Byron, qui a gagné le grand prix spécial. Prix spécial de quoi? Peu importe, ce que je sais c'est que c'est du surf. Le Coast Surf classique, avec un kilomètre d'avance. Moi j'étais en train de bronzer, je dois dire, mais je suis sûre qu'il a été éblouissant. Ricky, j'ai sûrement dû t'oublier. Oh, de toute façon, j'avais un bain de bouche ce soir-là. Hey, Cléo! Oh, Lewis, salut! En ce moment, il m'arrive absolument rien, tu sais, vraiment rien du tout. Oui, toujours le même train-train. Cléo, tu vas à la fête de Myriam? Oh, évidemment, j'y vais. Oh, au fait, les filles, mettez vos plus beaux bikinis, ce sera autour de la piscine. Bon, d'accord, on se retrouve là-bas. Finalement, j'irai pas. J'ai changé d'avis. C'est vraiment pas cool de zapper une fête chez Myriam. Elle ne nous proposera plus jamais de venir. Et alors? Bon débarras. C'est au bord de la piscine et je sais que c'est dangereux. Mais je peux peut-être expliquer notre problème à Lewis, il pourrait veiller sur nous. Non, tu as eu raison de refuser. Aucune de nous n'y va. Non, attends. Je crois qu'il faut y aller. Pour Byron, pas pour Myriam. Le surf, c'est comme la natation. Des heures d'entraînement et de travail. On a besoin que tout le monde vous soutienne. Tu es amoureuse de lui, toi. Tu rigoles? Ça sonne aussi vrai qu'une pub de lessive. Écoutez, si on cherchait un peu à savoir ce qui nous arrive, on pourrait peut-être apprendre à le contrôler et aller à la fête. Tu crois? Contrôler quoi? On touche l'eau et 10 secondes plus tard, il nous pousse une queue.
c'est peut-être juste une question de discipline. Il y a peut-être moyen de contrôler. Ce serait parfait. Ce serait génial si on contrôlait. Comme ça, on pourrait aller à la fête. Un texto à Lewis. Vous avez réalisé que vous allez devoir nager pour tester cette théorie? Quoi? Oubliez. Moi, c'est non. Allez, tu risques rien ici, tu as pied. Non. Je t'en prie, Cléo. Non. Non, tu entends? Bien, tu viens, Ricky. Discipline et contrôle, c'est dans la tête. Donc, on se concentre. Non aux sirènes. 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 Une fois de plus, il y a eu des fuites. Un coin de pêche confidentiel, classé total top secret. Qui a bien pu cracher le morceau? Désolé. C'est bon. Ah, j'ai eu ton message. Tu viens à la fête? Oh, en fait, c'est un vieux message, Lewis. Finalement, j'y vais plus. J'ai beaucoup trop de travail. D'accord. Bon, eh ben, je vais peut-être nager avec vous, les filles. On est toutes nues, Lewis, désolé. Allez, juste un petit plouf, quoi, vite fait. À bientôt, Lewis. C'est vous qui voyez. On ne va plus jamais être invité à un truc cool, là c'est fini. Et pourquoi? Parce qu'on est des sirènes. Et moi, ma carrière de nageuse est finie. Est-ce que je peux poser une question? Pourquoi moi? C'est vrai, enfin, je n'ai rien demandé. Toi, tu ne vois que tes problèmes. Moi, je m'entraîne pour être nageuse depuis l'âge de 6 mois, figure-toi. Eh bien, oublie ton rêve. Nous sommes des monstres marins, il faut s'y habituer. Vous deux, vous êtes pas croyables. Mais regardez-vous. Toi, tu gobes une goutte d'eau en plein vol. Emma, tu te fais une glace, vite fait bien fait, sur le pouce. Mais n'importe qui d'autre aimerait tellement pouvoir faire ça. Vous avez des méga pouvoirs, toutes les deux. Et vous n'arrêtez pas de gémir et de râler. J'ai aucun pouvoir, moi. Vous m'entendez me plaindre? Non. Eh bien, moi, j'en ai assez. Je supporte pas les filles qui gémissent. Je sais très bien ce qu'elle doit ressentir. Il y a des moments où même moi, je ne me supporte pas. Lewis, qu'est-ce que tu penses de Ricky? Tu connais le poisson-pierre qui ressemble à un caillou et qui peut injecter un poison capable de tuer une équipe de foot en une seconde? C'est à lui que je pense quand je vois Ricky. Merci à tous. Ah, c'est sympa. Mes félicitations, Byron. Tu es classé combien maintenant? Tu as dû gagner pas mal de places. Un peu de décence enfin, Cléo. Hé, hey, Zane. Tu as eu le temps de sécher? Je suis sûr que tu te sens mieux. Écoute, Lewis, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec cette bande d'incendie. Mais si tu oses seulement en reparler une seule fois, j'arrache ta tête de tes épaules. Hé hey. Laisse tomber, Lewis. Elle a raison. À quoi ça sert? Tu crois que tu le changeras? Non. Byron est un très gentil garçon. Emma a raison. On devrait aller à la fête de Myriam pour lui montrer qu'on est tous avec lui. Tu trouves pas que c'est un vrai héros? Eh ben, vas-y si tu veux. Tu crois? Ouais, si t'en as envie, te prive pas. Je te comprends pas, Cléo. Tu me dis que t'y vas, après tu me dis que t'y vas plus et tu changes encore d'avis. Oh. Thank you.
Tu es sûr que c'est bien raisonnable de manquer encore l'entraînement? Avec le championnat qui approche? Tu y allais quand tu avais la grippe, et même avec le poignet cassé, tu nageais avec un seul bras. Si elle n'est pas bien, elle devrait voir le médecin. Je ne suis pas malade. Ma chérie, je trouve que tu passes un temps fou entre les quatre murs de ta chambre depuis quelque temps. Tu t'enfermes des heures dans la salle de bain. Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais nous parler? Non, ça va. Tu te sens mal dans ta peau, c'est normal. Tu es à un âge où il y a beaucoup de choses qui changent. Exactement, maman, tu as tout compris. Salut Myriam. Oui, je voulais juste te dire que finalement je viens à ta fête. Probablement. Je voulais juste te tenir au courant. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai trouvé un truc sympa. Go. Oh. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. M'asseoir avec toi, Ricky. T'as le droit de t'asseoir, bien sûr, mais pas à côté de moi. Je sais qu'on est très différents. Ah, merci. Mais je veux savoir ce qu'il y a avec Cléo. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a quelque chose? Bah, disons que je lui ai proposé au moins 100 fois de venir à la fête avec moi et elle a changé au moins 100 fois d'avis. C'est peut-être qu'elle te trouve pas à son goût. Ça t'a jamais effleuré? Si, j'avoue que ça m'est venu à l'esprit. Mais je me suis dit que si elle te fréquentait, elle devait pas être trop exigeante. Au revoir, Lewis. Non, tu vas me dire quel est le problème? Non. Ah, s'il te plaît, je suis sûr qu'il y en a un. Écoute, en ce moment, on se parle même plus, d'accord? Et maintenant, je voudrais bien que tu me laisses tranquille. Alors, s'il te plaît... Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh, c'est chaud! C'est un nouveau gag ou quoi? Tu as bien fait de m'appeler. Je suis désolée, Ricky, j'ai dû te paraître un peu sinistre au téléphone. Normalement, je ne suis pas comme ça, mais là, tu sais, Emma, faut être cool. Viens, je vais te faire voir un truc. C'est vrai que j'ai la réputation d'être curieuse. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ah, encore vous, les filles? Toujours toutes nues? Non, en fait, on discute un peu entre filles. D'accord, mais est-ce que vous êtes toutes nues? Lâche-nous. Non, non, mais c'est mon coin de pêche ici. Vous passez votre temps à me contrarier, et là, j'ai besoin d'un peu de détente. Sinon, si quelqu'un doit partir, c'est vous, les filles. Tu devrais pas insister. Oui, tu devrais essayer de voir si tu ne trouves pas Cléo. Non, non, tout ça, c'est du passé. Je veux plus me prendre la tête, croyez-moi. Je sais pas ce qu'elle a, Cléo. Elle change d'avis toutes les 5 minutes en ce moment. Ah, je vous le donne en mille. C'est encore Cléo. Elle vient à la fête. Elle a encore changé d'avis. Oh, moi, je laisse tomber. Sois gentil, il faut que tu nous rendes un service. Rappelle-la, Cléo ne doit absolument pas aller à cette fête toute seule. Non, moi j'ai envie de pêcher. C'est très important, elle pourrait avoir des problèmes. Mais je suis pas votre laquais, et je suis pas votre petit toutou, votre homme à tout faire. Vous croyez que dès que vous demandez un truc, tout de suite, là, je dois obéir? Oh, son portable est coupé. Elle risque d'avoir un méga problème, Lewis. Tu l'aimes, oui ou non? Oh, de toute façon, c'est amical. Hein. Eh bien. Oh. On avait pourtant bien dit en maillot de bain. Je sais bien, mais il se trouve que j'ai attrapé un terrible rhume. Je ne pourrais pas me baigner. Du tout. Au fait, où est Byron? Je pense qu'il devrait être là dans 5 minutes. Tu n'enlèves pas ton manteau? Oh, désolée. On n'est jamais trop prudent avec un rhume. Hmm? Achou! Oh. Cléo, je ne suis pas sûre que tu devrais rester. Franchement, c'est drôle, mais les gens malades me rendent... malade. Tu devrais rentrer chez toi. Non, tout va très bien. Je vous jure que ça va aller.
Ça va être super. Bon, eh bien dans ce cas, disons que tu vas aller dehors, mais tu ne touches à rien. Ok. Et évite de boire, d'accord? Très bien. Le mieux ce serait que tu ne t'approches de personne. Pas de soucis. Quelle idiote. Regarde qui je vois. On avait envie de s'amuser, ça tombe bien. Non, reste où tu es. Faut pas être comme ça, Cléo. Tu t'es bien marrée quand je me suis fait rincer la semaine dernière. Cette fois, c'est ton tour. J'ai un gros rhume. Je n'ai pas le droit d'aller dans l'eau. Il y a une épidémie de grippe et c'est très contagieux. Ah bon? Je crois que c'est l'heure du bain. Va falloir y aller. Je vais attraper une pneumonie. Cléo. 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 Joli, hein? Lewis. Je croyais que tu ne venais pas. Je passais devant chez toi et je me suis dit, tiens, je vais dire bonjour. Tu viens avec ta canne à pêche? Je sors jamais sans ma canne. Oh, t'as pas vu Cléo? Elle contamine tout le monde au bord de la piscine. Non! Pitié! Je vous en prie! T'es prêt? À trois? Non! Un, deux, laisse tomber, Zay! Si tu insistes... Non, mais ça va pas à la tête! Laisse tomber, c'est bien ce que t'as dit. Et c'est ce que j'ai fait. On va se prendre un verre, les mecs. Ouais. Venez, tout le monde. Je te jure, je suis vraiment désolé. Lewis, il faut que je te dise quelque chose. Non, non, c'est pas la peine, je t'assure. Je te dis qu'il faut que tu m'écoutes. Ces temps-ci, j'ai dû te paraître un peu bizarre, non? Mais ne va pas flipper, surtout. Absolument que tu m'aides. Ne me laisse pas comme ça. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Lewis, je t'en supplie. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ils sont à l'intérieur. Donnez-moi un coup de main, il pèse au moins une tonne. Non, Lewis, on peut pas. Si on est mouillé, on se changera en sirène, nous aussi, c'est pas ce que tu veux. Toutes les deux? Vous êtes toutes les trois comme ça? Non, c'est vrai? C'est ouvert. Je devrais faire de la gym. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ne reste pas là, Lewis. Ça chauffe, c'est dingue! Bon précis. Ah, tu as un pouvoir, toi aussi. Vous voulez m'expliquer, les filles? Oui, mais plus tard, Lewis. Ricky, allez, viens. J'aime pas les piscines. Qu'est-ce qui se passe? Il
faudrait que tu fasses revoir ton système de chauffage. Salut Byron! Ah, salut! Tu n'es pas venu à la fête? Quelle fête? Oui, pourquoi t'es pas venu? Tu sais que Myriam l'avait organisée pour toi. Myriam, la grande blonde, c'est ça? Ah, piscine et fête, c'est pas mon truc. Salut! Belle planche. Jolis pectoraux. Surf attitude. J'imagine que ça va sans dire, mais si tu parles, on découpe en morceaux. Tu crois que je suis stupide? Si jamais quelqu'un s'en aperçoit, les labos se serviront de vous comme cobayes. Je vais laisser tomber la compète. Oh, Emma, j'imagine comme ça doit être dur pour toi. Bien sûr. Que veux-tu que je fasse? Tout ça nous dépasse complètement. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Si on essayait d'y voir un peu plus clair. Toi, tu fais de la glace. Toi, tu exploses les choses et Ricky fait bouillir ce qu'elle touche. Et vous êtes toutes les trois des sirènes. C'est vraiment trop bizarre. Bizarre? Ouais. Et sympa, quelquefois. Mais ça peut être moins cool d'autres fois. C'est... Non, j'arrive pas à trouver de mots pour ça. Il y en a. Moi, j'en ai trois. C'est totalement, absolument dément.